أعوذ بالله الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc en continuant donc la réflexion sur l'ijtihad et sur sa place dans la fonction qu'occupe l'être humain sur Terre. Donc la première intervention, comme vous l'avez vu dans le programme, c'est relève de l'ijtihad, de la lecture des textes fondateurs de l'islam. Et en guise d'introduction, donc il convient de définir l'ijtihad, et donc la définition qui peut être dégagée de plusieurs définitions qui ont été données par les anciens savants, c'est le fait de déployer tous ses efforts dans la quête de la découverte de la prescription islamique. Donc l'ijtihad, c'est un effort, ou bien c'est le fait de déployer tous ses efforts, parce que comme dit le Razali et l'Amidi et beaucoup d'autres Shawkani, c'est donc de faire l'effort jusqu'à ce qu'on ressente une impuissance d'aller plus loin dans la quête de cette prescription islamique, le hukm shar'i. Et certains, comme Shawkani, ont ajouté l'amali. L'amali, donc dans la prescription islamique pratique. Et donc la question ici, est-ce que la prescription islamique théorique, celle qui relève du credo, est-ce que la quête de cette prescription-là relève de l'ijtihad aussi ou non? Eh bien, on peut dire que oui, car selon les savants de l'aqida, cela aussi s'inscrit dans l'ijtihad, la quête de la prescription islamique théorique ou qui relève du credo, cela aussi relève de l'ijtihad. Et donc nous, on va essayer d'aborder la notion d'ijtihad d'une manière globale et non seulement de la réduire à sa dimension normative ou légale. Donc, l'ijtihad est le dépôt de la vice-gérance. On en a parlé tout à l'heure, et on a dit tout à l'heure qu'effectivement, l'humain, de par sa responsabilité, devrait, par sa propre volonté, à l'accomplissement de la volonté divine, eh bien, la volonté divine qui s'est adressée à lui n'est pas seulement celle qui relève de la volonté divine universelle, mais c'est aussi la volonté divine à travers la révélation. Et donc, l'humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié la tâche non seulement de se conformer, d'essayer de se conformer à la volonté divine, mais aussi de la chercher de par ses propres moyens. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, quand il a créé l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de loi, n'a pas besoin de règles dans cet univers pour pouvoir faire les choses. Il n'a pas besoin de causalité, il n'a pas besoin d'envoyer les vents qui vont soulever donc la vapeur, etc., qui va susciter les nuages. Il n'a pas besoin de tout cela pour faire tomber la pluie. Il le fait sans cela, en vérité. Il n'a pas besoin donc de loi de cause à effet pour créer les phénomènes qu'on voit autour de nous. Mais Allah a établi les lois justement pour que nous on puisse comprendre l'univers et on puisse y œuvrer, on puisse y accomplir notre fonction, et pour qu'on puisse aussi comprendre la volonté divine qui est derrière cet univers. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran d'ailleurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu cette volonté divine et ces lois de la physique, ces lois de l'univers, ne les a pas rendues accessibles d'une manière qui est spontanée ou bien facile. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait déployé ses bienfaits ou sa richesse à l'être humain, eh bien l'être humain aurait semé la corruption sur terre. Mais il descend, il donne d'une manière mesurée. Donc c'est-à-dire que pour découvrir les lois de l'univers, pour comprendre la matière, pour comprendre l'univers, il faut un effort. Ce n'est pas accessible d'une manière spontanée. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sinon, eh bien, l'humain aurait semé la corruption sur terre. Sinon, l'humain ne serait pas organisé. L'humain ne se serait pas entraidé. L'humain n'aurait pas cheminé intellectuellement et spirituellement, etc., afin de se rapprocher, de comprendre l'univers et de comprendre ses lois, etc. Et c'est la même chose pour la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les révélations à l'être humain, mais cette révélation a besoin d'efforts pour être comprise. On a besoin d'efforts pour dégager la volonté divine qui se trouve derrière cette révélation. Parce que si on aurait donc accédé à la volonté divine qui est enfermée dans la révélation d'une manière directe, eh bien l'humain aussi n'aurait pas fait d'efforts pour, et n'aurait jamais développé les sciences qu'il a développées. L'émergence de la civilisation musulmane était notamment due au fait que l'humain, que les musulmans ont eu besoin de développer des sciences pour comprendre la révélation et pour comprendre l'univers. Et c'est là que a eu lieu cette effervescence scientifique et intellectuelle dans la civilisation musulmane qui a donc donné l'apogée à la civilisation. Et donc ici on voit la relation entre l'ijtihad et le dépôt de la vigilance. C'est qu'on a besoin d'un ijtihad constant dans la compréhension de l'univers et dans la compréhension des textes pour se rapprocher donc de cette fonction qui est la nôtre, de la réalisation de cette fonction qui est la nôtre. Et donc l'ijtihad en vérité et le jihad sont intimement liés, parce que le jihad c'est un effort dans l'accomplissement de la mission pour laquelle on fut créé. Donc tout effort qu'on fait vers cet objectif est un jihad. Et l'ijtihad, c'est une des dimensions intellectuelles du jihad. Une des dimensions intellectuelles de ce jihad qui est cet effort vers l'accomplissement de l'objectif qui est le nôtre. Maintenant, les catégories générales de l'ijtihad. On peut diviser l'ijtihad en trois grandes catégories et toutes les autres catégories de l'ijtihad sont issues ou sont renfermées dans ces trois catégories. La première des catégories, c'est l'ijtihad dans l'établissement d'une prescription ou d'une conception pour une question directement traitée par le texte. C'est l'ijtihad de la compréhension ou de la lecture. Donc c'est une question qui est directement traitée par le texte et on essaye de dégager une prescription ou une conception de cette question-là. Ça c'est l'ijtihad de la lecture. La deuxième catégorie, c'est dans l'établissement d'une prescription ou conception pour une réalité qui n'est pas directement traitée par le texte. Et c'est l'ijtihad de l'application théorique tahqiq al-manat al-aam. Donc on a une prescription ou une conception d'une réalité qui n'est pas directement traitée par le texte. Et on verra ça demain, inshallah, lorsqu'on parlera de l'ijtihad de l'application. Et donc c'est ici, c'est une application théorique, c'est d'essayer d'avoir une conception théorique d'une question particulière ou d'une question générale. Et puis vient la troisième étape, qui est l'étape de l'application de cette conception qu'on aurait formulée
de cette conception théorique qu'on aurait formulée, l'application directe sur la réalité. Et donc, il s'agit de tahqiq al-manat al-khas. Et ici, c'est une réalité particulière. Et donc, on a dégagé une conception, mais cette conception, afin de l'appliquer sur une réalité concrète, il faut donc prendre en considération toutes les spécificités et les particularités de cette réalité avant de pouvoir l'appliquer. Et c'est cela qui est appelé tahqiq al-manat al-khas. Et donc aujourd'hui, la présentation concernera le premier élément qui est l'ijtihad de la lecture ou l'ijtihad de la compréhension. Donc tout d'abord, il faut avoir un aperçu sur les catégories des textes pour pouvoir élaborer cet ijtihad de la compréhension. Donc ici, l'ijtihad de la compréhension, comme vous l'avez compris, relève de la compréhension des textes. Donc c'est des éléments qui furent établis par le texte, et on a besoin de cet ijtihad pour pouvoir donc établir la prescription et la conception de ces éléments-là. Et on a des textes, donc le Coran et la Sunna comportent trois catégories de textes. Les textes relatifs au credo, donc c'est les textes qui concernent donc les prescriptions théoriques, donc c'est les choses qui relèvent de la conception ou qui relèvent de la dimension intellectuelle. Et ici, et d'abord, avant cela, la deuxième des catégories, c'est les textes relatifs à la pratique. Les textes relatifs à la pratique, c'est les textes qui concernent donc l'action humaine. Et la troisième catégorie, c'est les textes relatifs à la spiritualité. Tous les textes du Coran et de la Sunna reviennent à ces trois catégories-là et n'y échappent pas. Et en vérité, ces trois catégories reviennent aux trois catégories, aux trois composantes de la religion musulmane. Comme dans le hadith connu, hadith Jibril, où l'ange Gabriel vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande notamment, il pose notamment trois questions: mal iman ou mal islam ou mal ihsan. Donc l'iman ou l'islam ou l'ihsan, c'est ces trois catégories-là. L'iman, c'est la dimension intellectuelle, la conception islamique du monde auquel il faut croire, la conception du monde qu'il faut avoir, c'est l'iman, c'est la dimension intellectuelle. La deuxième partie, c'est la pratique, c'est le fait de se conformer dans la pratique à cette conception intellectuelle, et donc c'est l'islam. Et la troisième catégorie, c'est l'ihsan, c'est la dimension spirituelle, c'est donc cette force, ce moteur spirituel qui va faire le lien entre la dimension intellectuelle et la dimension pratique. Donc c'est ce stimulus dont on a parlé hier. C'est cette dimension spirituelle qui va activer les facultés de l'être humain à travers cette conviction intellectuelle. Et donc les textes, au final, reviennent à ces trois composantes de l'islam. Et donc l'ijtihad de la lecture des textes selon la catégorie des textes va être différent. Donc on a les textes qui sont la sharia. La sharia, c'est les textes, c'est cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie qui va nous ramener à la volonté divine, qui va nous ramener donc à cette harmonie avec la volonté divine et finalement avec l'univers. Et donc cela relève de la perfection divine. Et donc cette
sharia ou l'islam, parce que la sharia et l'islam, en vérité, c'est deux choses qui sont très proches. Eh bien, les textes sont, donc ces textes-là, qui sont divisés dans ces trois catégories, et ces textes-là relèvent de la perfection divine. Mais, pour pouvoir avoir une conception intellectuelle de ces textes et une pratique, il faut un ijtihad de la lecture, donc il faut un effort humain. Il faut un effort humain. Et donc, pour passer des textes relatifs au credo à la conception humaine, il faut une lecture des textes qui va aboutir à une science qui s'appelle la science du credo ou l'aqida. Et pour avoir une conception des textes de la volonté divine relatifs à la pratique humaine, on va aboutir à une science qui va s'appeler la science du fiqh. Et la même chose pour les textes relatifs à la spiritualité, on va aboutir à une science qui est la science de tazkiya ou de la spiritualité. Et donc, la méthodologie de la lecture de ces trois dimensions-là va être différente, parce que la nature de ces catégories est différente. Donc, notre lecture des textes relatifs au credo pour aboutir à une conception de la volonté divine quant à notre conception du monde et de l'aqida, du credo, va être différente. Pourquoi? Parce que la nature des textes qui nous parlent du credo est différente que la nature des textes qui nous parlent de l'action. Parce que le credo, une grande partie de ce credo relève de la dimension métaphysique, d'une dimension qui n'est pas accessible à la raison. Nous parle d'Allah, nous parle de l'au-delà, nous parle du monde métaphysique, et ce monde-là ne répond pas aux lois et aux logiques qui régulent ce monde physique, qui règne, qui sont en vigueur dans ce monde d'ici-bas. Et notre raison, ou plutôt notre cerveau à travers lequel on exerce notre intelligence, donc est limité aux lois qui sont en vigueur dans ce monde d'ici-bas, et ne peuvent pas appréhender donc le monde de l'au-delà, parce que le monde métaphysique où Allah subhanahu wa ta'ala est en dehors de ces lois-là. Ces lois-là ne sont pas en vigueur sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Fakiru fi khalqillah wa la tufakiru fi dhatillah » Méditez la création d'Allah, mais ne méditez pas Allah. Parce qu'Allah, effectivement, il est en dehors de des règles qui sont en vigueur et qui régulent aussi notre cerveau et notre raison dans ce monde ici-bas. Et donc ces textes, la nature de ces textes va être différente. Et donc notre approche va être différente. Et notre approche, le rôle de la raison dans ces textes-là va être en vérité non pas d'essayer de comprendre la logique qui se trouve derrière ces éléments, parce que ces éléments, comme j'ai dit, ne répondent pas à la logique que nous connaissons, mais va surtout être de formuler donc la vision islamique du monde, et aussi de formuler dans tous les domaines de l'action humaine un cadre référentiel qui va être issu de cette vision-là. Et quand on regarde la science de l'aqida comme elle fut élaborée au début de la civilisation musulmane,
on va voir qu'il y a une relation dialectique entre la science de l'aqida et la réalité. La science de l'aqida fut développée pour répondre à une certaine réalité. La vocation de la science de l'aqida, en tout cas au début, était de faire en sorte que la vision islamique du monde reste intacte pour que l'action humaine reste en conformité dans tous les domaines de l'action avec cette vision islamique du monde. Et donc, elle répondait aux éventuelles dérives quant à cette conception islamique du monde pour garder cette conception intacte pour que l'action humaine puisse s'y conformer. Et donc, on voit que les questions abordées dans la Aqida au début, c'était des questions qui étaient imposées par la réalité. Et puis, effectivement, par la suite, la science de l'Aqida a connu, comme toutes les autres sciences islamiques, une certaine sclérose, est devenue une science abstraite de la réalité. Et après, donc, aujourd'hui, comme la science de l'Aqida, comme on l'étudie dans sa forme scolastique, où on va élaborer un certain nombre de sujets d'une manière scolastique et en rupture totale avec la réalité. Mais au début, c'était la vocation de la science de l'aqida, et ça doit être la vocation de la science de l'aqida, effectivement, de garder à toute époque et dans tout contexte donc cette vision islamique du monde intacte pour qu'elle puisse réguler l'action humaine dans tous les champs. Et la science, pour passer à la science du fiqh, donc pour passer des textes relatifs à la pratique à la science du fiqh, effectivement, il faut un ijtihad dans la lecture. Mais la nature de cet ijtihad sera différente, car ici, les textes qui parlent de l'action humaine ne sont pas des textes qui parlent de choses qui ne sont pas accessibles à l'intelligence, mais ce sont des textes qui parlent des choses qui nous concernent et qui concernent notre vie quotidienne, et donc qui sont dans la logique et complètement accessibles à l'intelligence. Ça parle de nous et ça parle de notre action. Et donc, ces textes-là, la logique de ces textes, la raison d'être de ces prescriptions est totalement accessible. Et donc ici, la méthodologie sera complètement différente. Et donc la même chose pour la science de la tazkiya, qui est une science qui va passer donc, de ces textes à donc, une concrétisation, une contextualisation donc, de ces dimensions spirituelles pour qu'elles puissent être efficaces dans l'action humaine. Donc ça, c'est l'ijtihad de la lecture selon la catégorie de texte. Maintenant, il y a les sciences nécessaires à l'ijtihad de la lecture, et je vais peut-être avoir l'occasion d'en parler dans les questions-réponses, mais pour aller vite parce que j'ai seulement 10 minutes encore et qu'il y a beaucoup de choses à élaborer, on passe directement à l'ijtihad de la lecture, outils méthodologiques et conditions. Donc, la méthodologie de la lecture des textes va dépendre de très près de la nature des textes. Et donc, avant d'élaborer les outils méthodologiques nécessaires à la lecture des textes, il faut d'abord s'arrêter à la nature des textes, parce que ces outils, forcément, ils découlent de cette nature-là. On ne peut pas élaborer des outils méthodologiques qui ne respectent pas la nature du texte. Et donc, la nature des textes est quelque chose d'objectif que la révélation a revendiqué pour elle-même. C'est la révélation elle-même qui a dit telle est ma nature, telle est la nature des textes dans laquelle est renfermé, qui sont en vérité un récipient qui renferme la volonté divine. Et donc c'est la révélation elle-même qui a revendiqué cette nature et qui s'est cette nature qui s'est concrétisée dans la réalité du texte. Donc il est impossible de comprendre le texte en dehors de cette nature
même pour celui qui ne croit pas à les révélations. Et donc toute compréhension qui ferait abstraction de cette nature ne serait pas une compréhension issue de l'islam comme il s'est présenté lui-même. Et donc, c'est cela la dialectique de la nature du texte et de la méthodologie de sa lecture. Et donc ici, pour avoir un aperçu de cette nature que le texte s'est attribué à lui-même, il convient de relever quelques éléments constitutifs de la nature du texte. Premier élément constitutif de la nature du texte, c'est l'origine du texte. Comme le dit la révélation elle-même, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. On a révélé un Coran arabe. Donc c'est la nature que le texte a revendiqué, ou un des éléments qui relève de la nature que le texte a revendiqué. C'est la langue arabe. Le texte fut révélé en langue arabe. Et bien sûr, ici il s'agit de la langue arabe qui était en vigueur à l'époque anti-islamique, Jahiliya, et à l'époque de la révélation, et non pas la langue arabe qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, la méthodologie de la lecture du texte doit forcément tenir rigueur de cette nature-là, de cette langue arabe qui était en vigueur à l'époque de la révélation. Et l'usage de la langue arabe qui est en vigueur aujourd'hui pour lire les textes serait une erreur. Et c'est pour cela que l'un l'une des premières figures du courant moderniste contemporain, c'est peut-être Taha Abdelrahman, qui a écrit un livre qui semble être... Il faut trouver le bon mot, effectivement. Son livre, c'est sur Shi'r al-Jahili, sur donc la poésie anti-islamique, pré-islamique. Et donc, ce titre a l'air d'être un titre tout à fait innocent, mais c'est un titre. Ou bien le contenu du livre est dangereux, parce que ce qu'il a essayé de faire, c'est de démontrer que la poésie anti-islamique, donc la langue arabe anti-islamique, ne répondait à aucune logique et à aucune règle qui peut être circonscrite. Et donc, si on extrapole cela sur le texte du Coran, ça veut dire que le texte du Coran ne répond à aucune logique et donc peut être compris selon la méthodologie, toute méthodologie subjective au lecteur. Et c'est pour cela que ce livre a eu beaucoup de réponses à Taha Abdelrahman qui ont rejeté cette thèse-là, car elle est justement, en extrapolant cela, elle est dangereuse, car elle va à l'encontre justement de la nature que le Coran et le texte coranique et le texte de la révélation s'est revendiqué. Et donc il y a beaucoup d'exemples ici. Par exemple, aujourd'hui, certains, j'ai entendu cela de certains jeunes, nous disent en vérité, on ne peut pas condamner le terrorisme aujourd'hui, car le terrorisme, et cela vient aussi bien de certains musulmans que de certains non-musulmans, le terrorisme c'est quelque chose qui est encouragé dans le Coran. Et effectivement, on trouve dans le Coran la notion de irhab, qui est aujourd'hui dans les médias la traduction de terrorisme. Turhibuna bihi adu Allah. Et donc j'ai entendu certains jeunes me dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de terroriser, d'être terroriste. Turhibuna bihi adu Allah. Donc ça c'est un exemple d'une projection de d'un mot ou bien d'un sens qui a été donné à un mot arabe
selon les médias et selon le langage courant aujourd'hui, d'une projection de cela sur le Coran. Alors que ce mot doit être compris, comme j'ai dit, à la lumière de la langue qui était en vigueur à l'époque prophétique. Et la même chose pour la notion de l'hijab, ou l'khimar plutôt. J'ai entendu certaines personnes me dire que l'khimar, le voile, n'a jamais été mentionné par le Coran. Alors qu'effectivement, en lisant la traduction en français ou n'importe quelle langue, on peut lire que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et donc Allah dit aux femmes musulmanes de descendre, selon la traduction, leur voile sur le jayb, qui est l'ouverture du col, donc sur le col. Et donc ici, il n'y a nulle part, il n'y a aucune référence donc au fait de se couvrir la tête. Alors que le mot khimar en langue arabe, comme on la retrouve dans la période de la révélation, le khimar ma yukhammiru ras, c'est ce qui couvre la tête. Et c'est pour ça que le khamr, l'alcool, a été appelé khamr, parce que ça enveloppe la tête, ça enveloppe l'esprit. Et donc ici, c'est un autre exemple, effectivement, qui nous montre l'erreur qui peut être commise en essayant d'appliquer une méthode ou bien la langue arabe qui n'était pas en vigueur à l'époque prophétique. Il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, on trouve aujourd'hui certaines figures de cette mouvance moderniste qui essayent d'appliquer certaines lois de la mathématique sur le texte. La loi de Newton, par exemple. Certains ont dit qu'il faut l'appliquer sur le texte, et en vérité, le texte nous invite à appliquer cette loi, mais les Arabes ne connaissaient pas cette loi, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas appliquée. Mais aujourd'hui, donc, alors qu'effectivement, cela va à l'encontre de la nature du texte, qui est donc qui nous impose cette méthodologie-là. Deuxième élément qui relève donc de la nature du texte, c'est... Donc je crois que j'ai inversé, il fallait que je commence par l'origine du texte, j'ai parlé de la langue du texte, c'est pareil. Donc le premier élément, c'était l'origine du texte. Ça aussi, c'est quelque chose qui relève de la nature du texte. Et le texte lui-même a revendiqué une origine divine. Ça vient d'Allah. Et donc forcément, la méthodologie de sa compréhension ne va pas être la même que la méthodologie d'une compréhension d'un texte qui vient de l'humain. Hein? Donc, ça vient d'Allah. Et donc, c'est à la lumière de cette méthodologie-là qu'il faut le comprendre. Donc, d'accord. Donc, quelque chose qui découle de cela, c'est que, si ça vient d'Allah, quelque chose qui découle, c'est que il est impossible qu'il soit en contradiction avec les lois de la nature, parce que les lois de la nature viennent d'Allah, et il est impossible qu'il soit en contradiction avec la logique, parce que la logique est quelque chose qui vient d'Allah aussi. Et donc, c'est quelque chose d'important à considérer dans la méthodologie de sa lecture. Les propriétés du texte aussi, le contexte du texte. Par exemple, juste pour vous donner un exemple parce que je n'ai pas le temps, un des exemples d'une des propriétés du texte, c'est umum al-khitab. Umum al-lafd, umum al-khitab. C'est la généralité de l'énoncé, l'universalité du message. C'est le texte lui-même qui revendique l'universalité de sa portée. Et donc, adopter une méthodologie qui essayerait de réduire le texte à son histoire, la méthodologie historiciste, serait aller à l'encontre du texte et à l'encontre de sa nature, parce que le texte a revendiqué l'universalité de sa portée. Donc c'est pour ça que les savants ont établi une règle qui dit « al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus al-sabab ».
Ce qui doit être retenu du texte, c'est la généralité de l'énoncé et non pas la spécificité de la raison de sa révélation. Et après, un autre élément qui relève de sa nature, c'est le contexte du texte. Effectivement, le texte a été révélé dans un certain contexte. Et pour pouvoir comprendre le texte correctement, il faut tenir rigueur de ce contexte. Et ici, il n'y a pas de contradiction entre ce que je viens de dire avec ce que je viens de dire. Parce qu'effectivement, il faut retenir l'universalité de sa portée, de son énoncé, mais ici, il y a une autre règle, c'est que l'universalité du texte doit être comprise à la lumière de la spécificité du contexte de sa révélation. Donc pour pouvoir dégager cette universalité, il faut comprendre la spécificité. Et on ne peut pas dégager une universalité en faisant abstraction de la spécificité donc du contexte de sa révélation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui relève de la nature du texte et dont va découler la méthodologie de sa lecture. Après, il y a aussi le rapport du texte à la réalité humaine. Eh bien, le rapport du texte à la réalité humaine, c'est que le texte concerne directement des catégories abstraites d'action humaine. Le texte concerne directement des catégories abstraites de l'action humaine et non les actions spécifiques. Ça veut dire que le texte ne concerne pas notre action spécifique et concrète, mais concerne une catégorie d'action abstraite et non spécifique. Et donc, pour passer à cette catégorie abstraite à la pratique concrète et spécifique, ce n'est pas la révélation, mais c'est la raison, c'est un travail d'ishtihad. Et ça aussi, c'est une caractéristique du texte. Par exemple, le texte nous interdit riba, l'usure ou l'intérêt. L'usure, donc, ou l'intérêt, c'est une catégorie abstraite de l'action humaine. Une catégorie abstraite qui concerne directement donc une action humaine abstraite. Mais aujourd'hui, si on veut donc juger d'une certaine transaction financière, ou si on veut juger, par exemple, de l'intérêt bancaire, est-ce qu'on peut dire que l'intérêt bancaire est interdit directement par la révélation? Non, parce que la révélation ne concerne pas directement les actions concrètes et spécifiques, mais concerne une catégorie. Et donc, il faut voir si cette usure bancaire ou si ce prêt bancaire tombe sous cette catégorie abstraite ou non. Et donc là, il faut un ijtihad. Ça, c'est une nature, quelque chose qui relève de la nature des textes. Et pour conclure, donc, il faut tenir un élément aussi qui relève de l'objectif, qui relève de la nature du texte, c'est l'objectif du texte. Il faut respecter l'objectif du texte. Et par exemple, l'objectif du texte, ce n'est pas... La révélation n'est pas un texte d'histoire. Ce n'est pas un texte d'histoire, donc il ne faut pas chercher les détails historiques dans le texte. Ce n'est pas la vocation du texte. C'est pour ça que le texte, quand il nous parle donc d'événements historiques, etc., ne nous donne pas de détails, ne nous donne pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie. On ne sait pas, est-ce que, par exemple, il y a une divergence, est-ce que Ibrahim a d'abord édifié la Kaaba ou a d'abord été éprouvé par cet ordre divin, etc. On ne sait pas parce que ce n'est pas la vocation du Coran, ce n'est pas un texte d'histoire. Ce n'est pas un texte de science aussi. Donc les détails scientifiques ne sont pas à chercher dans le texte. L'objectif, c'est la guidance. L'objectif, c'est tout d'abord d'encadrer l'action humaine, mais pas de détailler les modalités de ces actions-là. Donc ça, c'est quelque chose qui relève de la nature des textes et qui sera important dans la méthodologie
qui sera suivi pour comprendre le texte. Et bien sûr, on n'aura pas le temps, malheureusement, de développer donc les outils méthodologiques et les conditions de la lecture des textes et tout le reste. Mais peut-être que ça viendra, Inch'Allah, dans les questions-réponses. Wallahu a'lam, wa ahkam, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.